Mais l'histoire de mai et d'autres ici, la maman, ça donne déjà la chair de poule. Asseyez-vous, il y a du nouveau, maman. Il dit que les choses se passent ici dehors. Il dit qu'à l'heure, si là, non, maman, les gens demandent de prier pour mai, de prier pour le frère de Hul et d'autres, de prier. Il dit, asseyez-vous, hey, que la copine de la soi-disant deuxième femme de Hul et d'autres et aller dans l'inbox de l'une des supporteuses de mai donner il dit que hey! Il dit que donner ce que vous-même là vous allez entendre la chair de poule doit sortir sur vous là que qu'on peut faire ça maman. En tout cas avant de commencer j'aimerais vous saluer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur la chaîne. N'oubliez pas surtout de liker, de partager, de vous abonner sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de Mai Edoche, qui est la première femme qui était, pardon, excusez-moi, la première femme de l'acteur nigérien Hul Edoche. Et vous connaissez même pourquoi, je dis même première femme, elle n'est même pas numérotée d'abord. Vous connaissez, avant d'entrer même dans le vif du sujet, est-ce que vous connaissez que Hul Edoche, Mai et Judith, ils sont allés au tribunal l'autre jour. Hul Edoche a refusé devant le tribunal que Judith c'est sa femme, jusqu'à dire qu'ils sont seulement les collègues, qu'ils sont seulement en train de faire la comédie sur les réseaux sociaux. Parce qu'à l'heure, là, beaucoup de gens disent que Hul Edoche et Judith Austin, ils risquent la prison parce que Mais Edoche était encore marié à Hul Edoche avant que lui, il n'aille épouser Judith, traditionnellement, selon eux. Mais selon la famille de Hul Edoche n'est pas marié à Judith. La famille n'a pas accepté. Même le père a dit que s'il savait que Hul Edoche est en train de faire ça avec Judith, il ne devait même pas tourner le film. Que le film qu'on a fait, ce qu'on le mettre dedans, là, lui ne savait même pas que Judith était comme cela. C'était quelqu'un qui a fait l'enfant avec son fils. Parce que là où il est là-bas, c'est seulement Mai Edoche qui connaît. Voilà la femme donc on a envoyé le message, ce que je vais vous traduire. C'est là où le Congo, ça commence maintenant. Voilà la femme qui vient en commentaire de Maman Rita Edoche et dit ceci. Il y a une copine de Judith Austin qui est venue dans mon DM, dans mon inbox, me dit que Judith Austin et Hul Edoche, ils sont en train de planifier envoyer Mai Edoche rejoindre ses ancêtres. Que Judith Austin a quelqu'un, un marabout qui est à Bini. Le marabout travaille apparemment pour Judith Austin. Que même comme la première fois, ils étaient allés ensemble. Donc, la copine est en train de dire que la première fois, ils sont allés ensemble chez le marabout. Que le moment-là, Judith allait donner le tobassi à Hul Edoche. Donc, pour que Hul Edoche puisse l'aimer. OK? Qu'ils sont allés ensemble, elle est allée avec Judith. Mais que pour Kambechuku, voilà ça là-bas, Kambeli. Que mais pour l'enfant de Mai Edoche, elle n'est pas allée avec Judith. Mais qu'elle peut jurer sur tout ce qui lui coûte cher, que c'est Judith qui connaît comment est-ce que l'enfant de Mai a rejoint ses ancêtres. Hey! La famille, il dit que c'est ici que j'ai eu lâche. Il dit, je suis resté bouche bée. Que voilà, ils sont même déjà en train de planifier comment envoyer Mai rejoindre ses ancêtres. C'est allé à trois. Elle, Judith et la sœur de Judith. Hey! Les choses se passent ici dehors. Pour ceux qui peuvent lire l'anglais, lisez là-bas, mettez pause, vous lisez, OK? Que à l'heure, si là, elle est obsédée par le nom de Hul Edoche, elle a dit, elle va tout faire pour avoir ce nom sur son nom. Que même les gens qui vont rester sur son chemin, comme le frère de Hul Edoche appelé Lynx, et Pet Edoche, qui est le papa. Et Mai Edoche et Maman Rita Edoche, que les quatre personnes-là, elle est prête à tout pour les envoyer rejoindre les ancêtres. Juste pour ce nom, Hul Edoche. Aux gens, s'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît, envoyez ça à Mai Edoche. Dites-lui que voilà ce que Judith Austin est en train de vouloir faire. Priez pour Hul Edoche aussi, parce que là où il est là, il est dans une. Hey! Wolilo! Qu'ils étaient allés ensemble chez le marabout concernant Hul Edoche, que là où il est là, il est comme un petit chien. Que à l'aise, là, il n'y a plus rien à faire. Sauf si les parents de Hul Edoche vont quelque.
que je vais t'envoyer toutes les informations IB. Envoie ça à Maman Richard et Doche. Envoie ça à Queen May et Doche. Je vais t'envoyer. Hey, on doit vraiment stopper ça. La famille, est-ce que vous avez lu? Je ne sais pas si j'ai fait une bonne traduction pour vous, mais voilà un peu ce qui se passe présentement sur les réseaux sociaux. Moi, je ne sais pas où. On dit comme ça que le plantain, c'est là. Hey, le plantain, c'est là. Il y a beaucoup de gens, il y a certaines personnes qui disaient en commentaire que, oh, vous pensez d'abord que c'est quelque chose de normal. Oh, c'est là. Quelqu'un que son enfant part, il ne ressent même pas que son premier fils est parti. Et vous pensez que c'est quelqu'un qui a tous ses sens. Certains disaient que, oh, vous ne pouvez rien faire à Judith. Oh. Judith est la reine des reines de l'eau. Que vous ne pouvez pas, qu'elle n'a même pas seulement le marabout. Judith elle-même, elle est quelqu'un de forte. Maman, les gens n'ont pas dit quoi. Mais tout ce que moi je connais, c'est qu'il n'y a pas une force, il n'y a pas une puissance qui dépasse pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a dit que tout ce que moi je connais, c'est que même le Seigneur lui-même a dit, il est fort, il est le plus fort, il restera et demeurera le plus fort. Oui. Alors si tout ce que May doit faire, c'est arrêter sa Bible avec la main droite, de prier et prophétiser sur la vie de ses enfants et elle-même. Ce qu'elle ne connaît pas ne doit pas l'arriver. Ce que ses enfants ne connaissent pas ne doit pas l'arriver. Elle ne doit pas rester chez elle après 17 ans de mariage, une personne qui de nulle part venait prendre tout ce qu'il a passé. Donc là où Dieu, elle a tout et tout pour avoir l'amour de la famille. Et la famille ne la veut pas. Même le jour que le papa de Hul et d'autres fêtait ses 77 ans. Oui. Mais a fait une vidéo que vous voyez, elle a apprécié son beau-père et tout, et tout, et tout. Maman, il fallait voir le coup des gens sur les réseaux sociaux. Jusqu'à ce que le papa a apprécié mais et tout. Mais Judith elle-même, elle sait que non, le papa n'est même pas de son côté et tout. Vu que le papa avait même d'abord dit que, s'il connaissait que le film, elle a été comme cela pour Judith, il allait là-bas faire quoi? Parce que c'est le film là maintenant, on dit que, ah, papa, tu allais faire le film avec Judith. Oh, sinon, tu savais que Judith était, maman, les gens demandent que le papa, comme là, vous pensez qu'il vit sur les réseaux sociaux, vous pensez que tout ce que vous faites là, il entend, si on ne peut pas seulement le dire. Les gens disaient en commentaire aussi que, alors si la famille de Hul et d'autres, ces grands frères là, hein, que c'est surtout ses grands frères, sa maman et tout cela, qui doivent se lever, que c'est pas à faire rester croiser les mains et tout cela, qui doivent se lever parce que à la Lucie là, on ne veut pas entendre qu'un enfant encore rejoint ses ancêtres ou bien quelqu'un parmi eux a rejoint ses ancêtres parce que selon la copie de Judith Austin, elle est en train de dire que Judith est en train de vouloir retirer ceux qui sont à son chemin. Je n'étais pas là-bas. Je vous donne seulement les news que j'ai vues aussi. Maman, la famille, qu'est-ce que vous en pensez? Mais elle dit toujours ici d'ailleurs que il y a la force qui dépasse la force. Il y a certaines femmes que moi, Josie, je connais. Oh, et c'est pas que aller derrière, aller devant. Tu ne peux pas avec les plantains. Yeah! Que ça a commencé par où? Hey, jusqu'à ce qu'ils ont fait 17 ans avec les plantains, maman. Tu sors où, maman? Que ton nom, c'est quoi? Le nom de ta famille, c'est quoi? En tout cas, c'était le destin de May. C'est tout ce que je peux dire. Que Dieu fait est bon, comme on dit toujours. Voilà Maman Rita qui conclut en disant que tu ne peux pas planter dans le champ de quelqu'un d'autre. Sinon, l'eau là va passer, ça va laver, ça va laver, ça va laver et tout là, tu ne dois rien voir. Donc, c'est un mot là que seulement les intelligents peuvent comprendre. Elle a dit que c'est ici que je m'arrête, mais jusqu'à là, je suis derrière, mais jusqu'à la gare, que bientôt, mes doigts sourient. Ah, la famille, dites-moi ce que vous en pensez.